notre émission « Partage ton histoire ». Aujourd'hui, nous recevons Laetitia et au travers de son témoignage, vous allez comprendre à quel point une relation toxique peut véritablement briser quelqu'un. Mais vous allez également voir comment Dieu est capable de relever, de guérir un cœur qui a été brisé. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour son témoignage. Bonjour Laetitia. Bonjour Chantal. Et bienvenue dans Partage ton histoire. Merci beaucoup. Alors, je suis très ravie de te recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Donc, tu as vraiment une histoire très, très, très bénissante, yes, encourageante pour beaucoup de personnes, mm-hmm, je crois, que tu as partagé aujourd'hui. Mais je vais d'abord te laisser te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Ok, alors moi, je m'appelle Laetitia Alvaro. J'ai 27 ans, bientôt 28. J'ai grandi dans une famille chrétienne, hein, mm-hmm, et... dans la vie, je suis traiteur. Yes. Je suis traiteur. Je suis également chantre. Je fais beaucoup de choses. Tout hein. Ça. J'ai une multicasquette. Multicasquette. J'ai une plateforme pour les entrepreneurs chrétiens, mm-hmm, hein, qui viennent nous raconter leurs histoires. Yes. Et j'ai une plateforme également pour la restauration des âmes. Ah. Voilà, c'est un peu mes casquettes. Merci. Merci encore pour cette présentation. Yes. Ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Mmh. Écoute, dis-nous comment ton témoignage commence déjà. Tu as dit que tu as grandi dans une famille chrétienne, mmh, chrétienne pratiquante. Pratiquante. Vraiment. Surtout ma mère. Ouais. Ouais. Donc, tu as grandi dans le milieu, donc tu dans savais le milieu, un peu de quoi oui, il s'agissait. Exactement. Mais par contre, à un moment donné, il y a eu des choses qui en se fait, sont passées. En fait, on n'est pas chrétien par le sang, quoi. Ouais, ouais, c'est ouais. Ça. C'est pas parce que nos parents sont exactement forcément chrétiens qu'on l'est aussi. Exactement. Donc, du coup, raconte-nous un peu ton histoire, déjà ton enfance, comment. Comment tu, alors, quel genre de personne tu étais dans ton tempérament dans... Du coup, moi, j'ai grandi en Angola, donc à mm-hmm Luanda. Je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans. Je crois que j'allais sur mes 9 ans en 2002. Mm-hmm. Donc en Angola, ma mère chrétienne, elle nous emmenait donc à l'église. Mm-hmm. Je me rappelle même, on avait un groupe de musique. Mm-hmm. On allait chanter dans les églises. Donc je chante vraiment depuis que je suis très petite. Ouais. Et voilà, quand on arrive en France, hein, pareil, on arrive dans des villes qu'on ne connaît pas. Moi, je parlais portugais, donc je ne parlais pas français. Ah, oui. Ouais. Fallait apprendre la langue, et puis voilà, on ça grandit. Ça a été facile l'adaptation ou pas trop? Au début, non, mais après, c'était rapide parce que je n'étais pas grande. Quand mm-hmm on est enfant, oui, on apprend assez rapidement. Mm-hmm, mm-hmm. Et les parents parlaient déjà français. Donc voilà, je suis arrivée avec mes frères et sœurs, donc on est 5 enfants. Mm-hmm. Ah oui, quand même. Et donc voilà, tous, on a grandi avec, voilà... L'éducation bien chrétienne. Dieu, voilà. Enfin, pas très strict, il faut aller à l'école, voilà. Donc, avant de faire une bêtise, on y réfléchit. Bon, après, on grandit. Donc, j'habite en province et à l'âge de 18 ans, quand j'ai mon bac, je viens sur Paris. Ah, Paris. Voilà. La capitale de la liberté. Donc, je rejoins mes grandes sœurs qui étaient déjà là, elles qui avaient déjà commencé la fac, etc. Et on habite ensemble et tout. Et je ne peux pas dire que j'allais à l'église. Hein. Oui. J'allais à l'église, même quand j'habitais en province. Je servais, je chantais. J'aimais Dieu, quoi. Oui. Mais je n'avais pas rencontré Dieu, en fait. Je n'avais pas cette rencontre avec Jésus. Donc, pour moi, je pouvais vivre ma vie de païenne, on va dire, et ma vie de chrétienne. En fait, tu connaissais le Dieu de tes parents. Voilà. Mais ce n'était pas le tien. Ce n'était pas le mien, pas là. Le tien. Celui qu'on dit le Dieu de mes genoux, oui, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas, donc voilà, j'arrive sur Paris, je suis avec mes sœurs. On va à l'église, hein, mais j'ai ma vie, quoi. Après, je ne peux pas dire que j'étais une fille qui sortait beaucoup, qui allait dans les boîtes de nuit. Ouais. Même pas, en fait. Mm-hmm. Mais il faut savoir que j'ai grandi avec quand même ce côté où j'avais un manque de confiance en moi, en fait. D'accord. Ça veut dire que quand j'étais à l'école primaire, collège, plus collège quand même, il y avait quand même des moqueries de certains camarades de classe. Ouais. Donc c'était « Ah, elle est ronde, elle est grosse, t'es pas belle, t'es noire, t'as des grosses lèvres. » Et ça venait moins des filles, mais ça venait plus des garçons. Wow. Donc un garçon déjà qui te parle comme ça, tu commences à perdre un peu la confiance. Bien sûr. De ce côté-là masculin. Et tu grandis avec ça, hein, les moqueries ou les copines qui parlent derrière toi. En fait, tu fais rien de mal. Mmh. Je sais pas. Peut-être t'attaque. J'étais déjà une étoile depuis. Ah, donc, c'est ça. c'est un peu ça. Donc, j'ai grandi vraiment un petit peu rejetée. Mais du coup, ça t'a poussé à me renfermer. Fermer, te renfermer. À avoir une carapace. Ouais, d'accord. En fait, je faisais semblant d'aller bien, mais j'allais pas bien, en fait. Mmh.
Donc, je suis une fille, je souris tout le temps. Donc, tu ne peux jamais savoir si je vais bien ou pas. Mais du coup, est-ce que tu partageais ces choses avec ta maman ? Personne. Non, même pas. Ouais. En fait, je me dis, des fois, les familles africaines, on est un peu réservées sur ce côté-là. Ouais. Ce qui est sentimental. Et sur ce qui est sentiment. Ouais. C'est plus maintenant, je trouve que je m'ouvre, je peux dire je t'aime facilement et parler avec ma mère. Mais quand j'étais plus jeune, je sais pas, j'avais peur de quoi. Mais je gardais un peu pour moi. Autant d'endroits quand on m'embêtait, mes grandes sœurs, je me rappelle, elles sont venues m'aider, elles sont venues taper la fille qui m'avait, qui m'avait embêtée. Mais au fond de moi, je grandis, j'ai l'impression que les autres sont mieux que moi. Elles sont minces, moi je suis ronde. Et ça joue quand même. Et à l'école, j'étais pas non plus la meilleure, quoi. Ouais. J'étais pas la meilleure. Et papa, à la maison, si t'es pas... Ah. Voilà. Si tu ramènes pas les bonnes notes, c'est compliqué. C'est compliqué. On va dire ça. Voilà. Et il y a eu une période où j'étais rebelle pendant un an. Mais pourquoi ? Enfin, qu'est-ce je sais pas. J'étais dans une bande de copines, on va dire. Et je voulais moi aussi avoir mon caractère à moi. Ouais. Et ça veut dire que je simulais des choses, je répondais aux professeurs, je simulais des bouffées de chaleur pour qu'ils me laissent tranquille. Ah ouais. Que je me sentais pas. Ah ouais, c'était vraiment. Je me cherchais, quoi. Je voulais être je sais pas, le chef de gang ou je sais pas, en fait. Ouais. Je connaissais pas qui j'étais, en fait. J'avais un manque de confiance et ça ressortait comme ça, en fait. Donc, en arrivant en Paris, déjà avant d'avoir mon bac, mes professeurs me disaient que j'allais pas l'avoir. Ah ouais, donc. Je l'ai eu du premier coup. Wow. Je l'ai eu alors que d'autres, on leur disait qu'ils allaient l'avoir, ils l'ont ils pas, ont eu. Pas eu. Donc moi, vraiment, à chaque fois que j'avais besoin d'avoir un examen, je priais Dieu à chaque fois. Ah ça parfois, c'est là où on va prier Dieu. Seigneur, s'il te plaît. Et j'ai... Mais quand t'arrives à Paris, tu vas à la fac. Puis la fac, c'était pas trop mon dada. J'avais pas aimé. Puis un beau jour... Tu as fait une rencontre ? J'ai fait une rencontre. Dis-nous tout. Je fais une rencontre dans la rue, hein. Vraiment dans la rue. J'étais partie, je me rappelle, ma mère était venue à Paris, je la dépose à la gare et je vais déposer un CV dans une boutique parce que je cherchais du travail à cette période-là. C'est vraiment une période chaotique, hein, de ma vie en 2012, compliquée. Je vais chercher du travail. Avant d'arriver à la boutique, je vois un garçon qui arrive comme ça de loin. Je dis, il est beau, intérieurement. Voilà. Et je dis, lui, je suis sûre, il va m'arrêter. Mais je ne calcule pas, je marche. Et on se croise. Et on se retourne un film. Tous les deux, vous vous regardez. Slow motion. Et du coup, voilà. C'est comme ça que je fais la rencontre de ce garçon. Il me parle. Et il me dit de venir. Moi, je dis, si tu ne viens pas, je ne viens pas. Ça veut dire que s'il n'était pas venu, t'allais pas. Mais on a tous notre parcours. Donc, on rencontre, on parle, on échange les numéros. Et c'est là que tout commence, en fait. Ça veut dire que, déjà, la personne, tu vois, la personne t'appelle le soir, que le soir. Que le soir. Je dis, oh. Bizarre. Mais le premier jour, quand il a pris mon numéro, quand on est rentré, on a quand même discuté longtemps. Mais bon, peut-être que ce jour-là, il était tout seul. On discute, il me propose un restaurant, donc on va se voir. Vraiment, voilà, je rencontre, donc ça devient, on va dire, mon copain, quoi. Ouais. Mais au fil du temps, toi-même, tu sens que la relation, elle est toxique, mais t'aimes bien. Mais quels étaient les signes, en fait, de la toxicité, si je peux dire, de cette relation ? C'était quoi, les signes ? Ça veut dire que des fois, tu pouvais dire quelque chose et le garçon va s'énerver, en fait. Ah, non, moi, je suis pas ta copine, tu me parles pas comme ça. Mais ça, c'était au bout de combien de temps de relation ? Ça, c'était dans les premiers mois, en fait. Ah oui. Parce qu'on va dire, dans le premier mois, on va dire qu'on a eu une pause peut-être de 2 mois. Mais déjà, au début, ça veut dire qu'un jour, il voulait me voir et j'étais fatiguée et je ne voulais pas qu'il me voie. Il s'est énervé, en fait. J'avais pas envie. Je sortais du travail, j'étais fatiguée. Ouais. Je dis non, je veux rentrer chez moi. Il me dit, mais non, moi aussi, je vais. J'habitais à Cergy à l'époque, je vais à Cergy, on se voit. Je dis, franchement, je suis fatiguée. Ça faisait peut-être quoi, 3 semaines qu'on se connaissait. Mais bon, à l'époque, tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui, vous êtes copain demain, quoi. Ouais. Et non, et là, il était déjà, très imposant, quoi. Mais dès les premiers mois, dès le début. Sauf que moi, c'est un garçon, et moi aussi, je dis non, moi aussi, je mets ma bouche, quoi. Tu parles, moi aussi, je parle. Et ça avait fait que du fait que je lui avais répondu, ça ne lui avait pas plu. Donc, du coup, pendant 2 mois, je crois qu'on ne s'était pas parlé. Sauf que c'est moi qui ai refait le pas. Tu étais amoureuse ? J'avais des sentiments, quoi. J'étais dans la soupe. Ouais. Dans la sauce. Et donc, du coup, je reprends contact. Et du coup, en face, quand le garçon voit que
Ah, elle a repris contact avec moi. Je sens que elle est amoureuse, elle a des Elle est sentiments, en attachée, fait, oui. elle est attachée. Donc, il va jouer sur ça. Et Wow. sur le long, tout le long de la relation, il a joué, en fait, sur mes sentiments. C'est-à-dire que quand on reprend contact, on doit se voir, mais on n'arrive pas à se voir. Je l'appelle la journée, il répond pas. Oh. Je l'appelle le soir, il répond le soir, mais c'est pas. On discute pas longtemps. Et je trouve ça bizarre. La relation, j'en parle qu'à une copine, j'en parle pas à mes sœurs. J'habite avec mes sœurs, je leur en parle pas. Je cache un peu parce que je crois qu'au fondement, je savais que c'est pas une bonne relation, quoi. Et le fameux jour où on doit se voir, le 14 février, enfin, on arrive à trouver du temps pour se revoir. Le 14 février, je me rappelle toujours 2014. Quelques jours avant, je croise une amie avec qui on discute. Ah, ça va et tout, ça fait longtemps et tout, etc. Et on continue par message. Et là, elle me dit, alors les amours, je t'ai entendu parler tout à l'heure au téléphone, t'étais avec ton chéri, je dis oui, mais il m'énerve, on devait se voir aujourd'hui, mais on va pas se voir, etc. Non, non. On échange comme ça, je lui donne le prénom. Seigneur, attends, stop. Attends, je sais moi, mon cœur bat. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas me dire après, en fait, dans cette histoire. C'est pas ce que je crois. Je lui donne le prénom, Chantal. Non, c'est pas ce que je crois. Elle me dit, attends, Oh mon Dieu. il habite où? Hey, Je lui donne hey, la ville. hey, hey, Bon, on hey. va l'appeler Gérard. Ouais. Je dis Gérard qui habite, je ne vais pas donner la ville, je vais dire allez, qui habite à Champigny. Champigny, attends. J'ai ma belle-sœur qui m'a parlé d'un gars qui s'appelle Gérard et qui habite à Champigny. Attends, je vais lui demander. Là, j'étais au travail, je tremble. Mais oui, j'imagine. Je tremble, j'appelle ma collègue à qui je m'entendais bien, je dis non, mais c'est pas possible. Elle m'envoie capture d'écran. Elle est en train de lui demander, ah, ça va, et tout, comment il va ton chéri, et tout. Ouais, il s'appelle comment déjà? Il habite où? Gérard, il habite à Champigny. Mais attends, du coup, c'était le copain à... C'est le copain à la belle-sœur de ma copine. Une Seigneur. amie proche avec qui je suis toujours amie aujourd'hui. Quand on parle de cette histoire, C'est incroyable. Incroyable. Oui, donc, par la Et suite, donc qu'est-ce là, qui s'est passé? je pète un câble, je dis c'est pas possible. T'as cherché à le voir tout, directement? Non. J'ai cherché à mettre un stratagème. Ah, stratagème Machiavélique. pour l'attraper? Pour l'attraper. S'attraper. Je dis, ok, on doit se voir le 14 février. Je vais d'abord appeler la fille. Comme ça, le rendez-vous de 14 février, on va aller toutes les deux. C'est pas possible. Oh mon Mais moi-même, Dieu. quand j'y réfléchis, je dis, Laetitia, toi, t'as pu faire Donc ça tu as dit vous vraiment. allez le coincer là comme ça. Laisse. Oh mon Dieu. On arrive 14 février. Donc j'appelle déjà la fille, on parle avec la fille, tout ça, on Elle aussi, échange. elle doit être Elle choquée. aussi, elle est Elle est... choquée. Et puis moi, quand je l'appelle, je lui dis, écoute, faut pas pleurer, hein, mais Ouais. ton gars, là, c'est mon gars aussi. Oh mon Dieu. Donc, faut qu'on trouve une solution. Le 14 février, je dois le voir. Oh, mais il m'a dit que le 14 février, il n'était pas disponible. Oh En plus, je lui ai purée. acheté un cadeau. Et son Oh. anniversaire, c'était quelques jours après, je crois, le 17. Donc, elle lui a acheté le cadeau. Mais 14 février, c'est la Saint-Valentin. Saint-Valentin. Donc Saint-Valentin, il choisit quoi? Là, il avait décidé de passer ça avec toi. Avec moi. Voilà. Maman, attends, ce qui arrive après est plus chaud. Attends, je m'assois bien. Assois-toi. Voilà, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, du coup, je prépare le stratagème, tout ça, ok, on arrive. Et le jour J, elle est avec moi, je lui dis, appelle-le pour voir. Il répond pas. J'attends 10-15 minutes, je l'appelle. Oh, ça va, chérie, Oh oui. mon Dieu, c'est J'arrive, pas tout ça, possible. nanana. Maintenant, on rentre dans le train. À un moment donné, il n'y a pas de réseau, donc il appelle l'autre fille et lui laisse un message vocal en disant, ah, désolée, j'étais partie à une agence, j'avais des Un gros rendez-vous, mytho, un gros quoi. mytho, Ouais. mais voilà, ça va. Je te rappelle après, parce que là, j'ai un autre rendez-vous. Notre rendez-vous, J'ai dit, toi. Seigneur. On arrive à Gare de Lyon. C'était le rendez-vous. Du coup, moi, je me mets un peu plus loin et la fille reste d'un autre côté. Sauf que lui, quand il descend où il y a la fille. Aïe. Du coup, il la voit, etc. Et la fille était avec sa cousine. Moi, ma copine, là, elle était en train d'arriver dans le train. Parce que j'ai dit, je ne peux pas rester Mais elle toute est toute seule. seule. Quand même. Quand même. Ouais. Et du coup, sa cousine me voit, elle me dit, ah, viens, c'est lui, il est là. J'arrive derrière lui, je tape dans le dos. Waouh. Ça va, oui, ça va. Il rigole. Il rigole? Il rigole. J'ai Mais dit, elle, c'est qui? Donc, il donne le nom, allez, on va dire c'est Charlotte. Il dit, ok, Charlotte. Et du coup, tu passes à Saint-Valentin avec qui? Il rigole encore. Et c'était un rire nerveux ou rigoler? Nerveux quand même. Ouais. Et là, il commence à dire, ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? À toi? Oui. De toute façon, je t'aime pas, etc. Donc, il commence à lui parler à la fille maintenant. Toi, j'ai parlé à tes parents, hein, à Noël. Elle, je ne connais pas ses parents.
elle, c'est rien, c'est une erreur. J'ai dit, mais toi, t'es malade. Donc, je l'insulte de tous les noms possibles. Ouais. Je voulais pas faire trop de scandale. Donc, du coup, je me dis, on va pas trop crier, quoi. Donc, du coup, moi, je vais, je l'insulte tous les noms, etc. Et à un moment donné, il me prend fort par le bras. Il me dit, toi et moi, c'est pas fini. Oh. Attends, devant la fille ? Non, la fille est là. Ouais. Mais il me prend un peu, de, genre, à part. Je dis, mais toi, tu es malade, quoi. C'est quoi, ça ? J'ai dit, moi, je voulais te présenter à mes sœurs, tout ça, mais... J'ai arrêté la conversation, j'ai dit, il n'y a pas de Saint-Valentin, rentre chez toi, etc. On a pris le train, chacune a commencé à rentrer, puisqu'on habitait toutes les deux dans la même ville à Cergy. En plus. Et je me rappelle, la première fois qu'on a parlé, il me demande, tu connais du monde à Cergy ? Oh. J'ai compris. Il avait déjà son plan. Donc du coup, après là, on rentre, il m'appelle, 15 appels manqués. Je lui demande à la fille s'il l'a appelé. Il ne l'a même pas appelé. Il n'a pas appelé. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais appelé. Aujourd'hui. Il a jamais appelé la fille. Mais attends, mais du coup, la fille, elle se dit quoi ? Enfin, je sais pas. Enfin... Il lui a menti, c'est tout. En fait, après, il m'a expliqué qu'elle, il ne l'aimait pas, que c'était juste quand il avait envie. En même temps, c'est un peu ce qu'il avait dit devant l'autre te concernant, quoi. Ouais. Donc au final, on peut pas trop se fier. Mais et du coup, finalement, c'est terminé. Enfin. Non. C'est pas terminé ? J'ai remis le couvert. Tu es reparti le voir. Je suis reparti avec. Aïe, tu étais vraiment dans la soupe. Hein. J'étais vraiment amoureuse. Wow. Il m'a demandé tous les pardons possibles. Je me suis remise avec lui. Mm-hmm. Et quand je me remets avec lui, je prie. Mm-hmm. Je dis, Seigneur, si ce n'est pas la relation, tu arrêtes ça. Tu n'avais pas encore rencontré Jésus à ce moment-là ? Non, ce n'était pas encore la rencontre. Mm-hmm. Je me remets avec lui le lendemain. La Charlotte m'envoie un message, elle me dit t'as des nouvelles de Gérard ? Je dis, je vais pas te mentir, je me suis remis avec. Elle me dit, ah non, je peux pas te laisser comme ça, regarde son Facebook, il est toujours avec la mère de sa fille, parce qu'il avait une fille, j'ai oublié de le dire, il est toujours avec la mère de sa fille, son fiancé, etc. Attends, il y avait toi, Charlotte, et une autre ? La fiancée. La fiancée. Il y avait une fiancée en même temps ? Il y avait la fiancée. Et t'étais pas au courant ? J'étais pas au courant. Et donc la fiancée... Donc j'apprends ça, je l'appelle, je m'énerve... C'est pas possible. Tu mens. Elle me dit, mais non, c'est toi mon terminus. C'est avec toi que j'ai envie de recommencer. Désolée, mais. Je m'y attendais pas à ce terme-là. C'est avec toi que j'ai envie de recommencer ma vie. Elle, je l'aime pas, etc. En plus, parfois, les gars, ils sont convaincants. Hein. Ils savent. Et j'y croyais, en fait. Mais oui, parce que je fais genre de t'accrocher. Mais j'y crois, en fait. Ils disaient que la fille avait manqué du respect à ses parents, que elle, c'est elle qui s'agrippe et tout, etc. Donc, ça passe encore. Et il doit voyager quelque temps. Après, il me demande de me voir. Je le vois, je tombe encore. Jamais 203. Ouais. Je dis, OK, j'accepte. J'accepte tes pardons, on se remet ensemble. Il part en vacances, tout ça, etc. Puis, bizarrement, en fait, avant là, qu'on reprenne, il n'avait pas vu que je lui avais envoyé un message salé. Ah. Du coup, il avait mal pris après. Ouais. Mais je ne sais plus trop ce qui s'était passé. On a repris quand même contact. Mm-hmm. Quatrième fois. Et j'ai encore décidé de me remettre encore avec lui. Et c'est là, par contre, c'était pas possible. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au fait, c'est... Là, il devenait vraiment... Sans moi, t'es rien, quoi. Ah, maintenant, il commençait à te dévaler. Ouais, là, c'est... Sans moi, t'es rien, c'est... la manière dont il parle, en fait, comme il te ramène les choses... Même quand il n'est pas présent, quand il vient après, c'est « Oh, je suis désolée, je suis occupée, mais... » Tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui joue. Mm. Et on n'arrêtait pas de parler de la mère de sa fille. Hein. À chaque fois, je dis « Mais t'es sûre, t'es plus avec la mère de sa fille ?» Donc, je manque quand même de confiance, mais je suis quand même amoureuse. Donc, à force de parler toujours de la mère de sa fille, il commence à me dire « Mais arrête, tu ne me fais jamais confiance, etc. etc. » Donc, c'est vraiment, j'ai compris que je fais ça, tu viens. Parce que quelque part, je pense que tu étais aussi dans une sorte de dépendance affective. Exactement, en fait, parce que je n'avais pas connu ça. Les autres garçons, eux, c'était les moches. Ouais. Mais moi, j'avais des... Donc, tu te rattachais au peu d'amour en fait, que tu pouvais avoir. Je me rappelle qu'à cette période, j'avais perdu du poids. J'essayais de... Mm-hmm. Voilà, et ils me disaient, non, perds pas de poids. Moi, j'aime bien quand t'es comme ça, etc. Donc, tu vois, c'est tout ça.
Donc après, moi, je prends la décision d'arrêter la relation parce que je sens fortement en moi que je suis en train de m'éloigner de Dieu. Mm. Pour moi, c'est devenu une idole. Ouais. Parce que j'étais quand même, j'avais comme ce côté-là où Dieu est là. Oui. Mais là, je ne sentais plus rien. Mm-hmm. Et comment il a pris? Bah, il a dit, bah, si tu veux, hein, c'est toi qui vois. T'as dit que je t'éloigne de Dieu, donc vas-y, quoi. En gros, pour lui, là, on arrête, mais je peux revenir à tout moment. Ouais. Et donc, la relation s'est arrêtée. Sauf que quelques temps après, avant mon baptême, je le recroise et je me rends compte que je suis toujours amoureuse de lui. Waouh. Et là, c'est moi, cette fois-ci, qui cours derrière lui, qui essaie de le rechercher. Je veux, s'il te plaît, donne-moi du temps. Je veux te voir, juste qu'on s'explique. Ouais. On ne s'est jamais vraiment expliqué, etc. Et il joue sur ça. Non, mais Laetitia, moi, je ne veux pas te voir. Laisse-moi tranquille. Avec toi, c'est toujours les problèmes. Donc, je commence à croire que c'est finalement c'est le problème. Et il accepte de me voir. Et la veille, il annule. Ah, c'était la fin du monde pour moi. C'est-à-dire ? Il accepte finalement de me rencontrer, qu'on se voit pour s'expliquer. Mais la veille, il annule. Il annule la rencontre. Il annule la rencontre. Et là, c'était... En fait, je me sentais tellement dedans, amoureuse. Et là, pour moi, c'était trop. C'était, tu peux pas me faire ça, quoi. Mm. Tu peux pas me faire ça. Et ce jour-là, c'était trop pour moi. C'était le déclic. C'était le déclic pour moi. Et je me suis mise dans le noir. Et j'ai commencé à pleurer et à prier. Et à ce moment-là, si Dieu m'avait pas secouru, j'allais me suicider. Parce que j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre, en fait. Mm-hmm. J'en ai marre, pourquoi je vais être amoureuse d'une personne qui ne m'aime pas, mm-hmm. qui me dévalorise. Si je peux me permettre, on n'a jamais eu de relation sexuelle. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y avait ce côté de lien d'âme, ouais. mais il n'y avait pas eu de ouais. relation intime. Ouais. Ouais. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Et là, c'était stop. Et j'ai appelé une grande sœur. J'ai dit, si tu ne m'aides pas ou si je ne sais pas ce qu'on peut faire, je vais me suicider en fait. Et c'est à ce moment-là qu'elle a prié pour moi. On a vraiment prié. Et là, je me suis calmée. Et là, j'ai dit stop, c'est fini. Et après, sans suite, ta rencontre avec le Seigneur ? C'est là vraiment que j'ai rencontré le Seigneur. Parce que je me suis baptisée quand même. Ouais. Je me suis baptisée après l'avoir rencontré. Un mois avant, je me suis baptisée un mois après. Mm-hmm. Après l'avoir revue. Tu dis, tu décides de te baptiser, mais... T'es encore attachée. J'ai encore attachée. Mais c'est à ce moment-là, en fait, le déclic que je me dis, mais... Je l'ai mis où, ce Jésus que j'ai accepté, c'est en fait. C'est ça, c'est ça. Et c'est là, à ce moment-là, que Dieu me montre, en fait, lui, il ne t'apportera rien. Ouais. C'est moi la solution. Amen, amen. C'est moi la solution. Et j'ai une amie qui me demande, est-ce que tu es prête à intégrer un groupe de jeunes de différentes églises ? On est là, on s'édifie. Et là, je dis OK. Et en même temps, je commence des cours d'affermissement à l'église. Et je rentre dans le groupe de la jeunesse et on se fortifie ensemble. Mmh. Et c'est vraiment là que je commence à comprendre qui je suis, etc. Mmh. Il m'appelle quand même un autre jour. Et alors tu tombes en exactement. Piège. Oui. Mais je ne tombe pas cette fois-ci. Ah. Cette fois-ci, le match est renversé. Ah, la tendance a été... La tendance est renversée. Il m'appelle et tout ça et il m'insulte. Parce qu'en fait, je télécharge une application et cette application-là envoie un message aux gens qui ont ton numéro. Moi, j'ai plus son numéro. Ah. Il dit, arrête de me suivre. C'est quoi ça ? Espèce de grosse, tu m'oublieras jamais. Non. Si, Seigneur, j'ai laissé tomber. Là, à ce moment-là, je commençais déjà à... Non, mais ça, c'était une attaque du diable, hein, carrément. Exactement. Attends, on le connaît, lui. Exactement. Dès que tu commences à t'affermir, à grandir, il arrive pour voir est-ce que... Mm-hmm. Mais là, c'est lui, il m'appelle. Je suis désolée, je voulais pas t'insulter. Mais j'étais chouchou, je croyais que... Mais là, tes rêves sont devenus réalité. On peut se remettre ensemble. Est-ce que tu acceptes de me revoir ? On va parler, tout ça. Alors, j'ai dit, écoute, moi, j'ai plus envie de te voir, Gérard. C'est fini. C'est fini. Déjà, c'est des églises, là où tu vas. J'ai dit, ah bon, tu sais que je vais à l'église maintenant. Ah oui, comment tu sais ? Comment tu sais, c'est ça, il là ? Il bug et tout ça, il bug. J'ai dit, non, non, non. Tu vois, Gérard, que les gens connaissent ça. C'est pas le Gérard que moi, je connais. Ouais. Donc, Gérard, tu peux me rappeler dans 2 jours. Mais ça, c'est que ma réponse, c'est non. Ouais. La Laetitia que tu connaissais avant, elle n'existe plus. Terminé. C'est comme ça que c'est fini. Aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles, mais j'ai entendu dire que si aujourd'hui j'étais celle que j'étais, c'est parce qu'il m'a rendue comme ça. Waouh. Waouh. Et bah, dis donc, voilà, il est audacieux, hein. Purée de patates. Mais du coup,
en une phrase, ou deux ou trois, hein, en tout cas, une deux ou trois, rapidement, comment Dieu a fait ce processus de restauration, de guérison dans ton cœur, t'a aidé à voir, tu as un peu parlé avec les cours, etc. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que c'est vraiment ça qui t'a permis de comprendre la connaissance et toutes ces choses? En fait, c'est aussi... je me suis posée quand même, je me suis dit, mais finalement, qui es-tu en fait? Est-ce que tu vas vivre selon le regard de cet homme-là ou des gens qui te voient, des personnes qui t'ont critiqué avant? Ou est-ce que tu vas enfin savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi? Yes. Dans mes temps d'intimité et même dans ces cours d'affermissement, j'ai compris que j'avais une identité en Christ. Et je me suis dit, si Dieu avait confiance en moi et qu'il a placé des choses en moi, ça veut dire que moi aussi, je dois avoir confiance en moi. Amen. Donc aujourd'hui, si je dois encourager quelqu'un, je dois dire à quelqu'un, fais confiance à Dieu. S'il te fait confiance, tu dois avoir confiance en toi. Amen. C'est ça. Amen. Waouh. Merci beaucoup. Merci vraiment pour ce témoignage. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu parce qu'on voit que Dieu ne nous abandonne pas. Exactement. Et malgré le fait qu'on fasse des choses, qu'on s'éloigne de lui, qu'on ne le calcule même pas, lui, il continue à nous aimer. C'est comme ça. La Bible dit, en fait, même si nous, on l'a rejeté, lui, il est fidèle, en fait. Lui, il est fidèle pour se renier, en fait, pour en tout cas, pour nous abandonner. Il ne le fera jamais, en fait. Il est toujours là. Et si toi aussi, aujourd'hui, tu me regardes et que tu ne connais pas forcément Jésus, tu n'as pas fait de rencontre avec Dieu, tu es peut-être né dans la religion, tu as grandi dans une famille qui est chrétienne peut-être, mais sache que le salut est personnel. Amen. Et la rencontre avec Dieu, elle doit se faire de manière personnelle. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner l'opportunité de pouvoir naître de nouveau, de faire partie de la famille de Dieu. La Bible va dire que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Yes. Aujourd'hui, Dieu te tend la main et Dieu te donne l'opportunité de devenir son enfant afin qu'il puisse effacer tous tes péchés, que tu puisses recommencer à zéro avec lui. Et si tu le veux bien, je vais t'accompagner, je vais faire cette prière. Là où tu es, tu peux juste fermer les yeux et tu vas répéter cette prière à voix haute en croyant dans ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te rencontrer. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Merci pour la vie nouvelle que tu me donnes. Merci Seigneur parce que mes péchés sont effacés. Aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. On t'acclame à toi si tu as fait cette prière. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu as été sincère, tu es devenu enfant de Dieu et Dieu a effacé tous tes péchés. Le passé, c'est le passé. Maintenant, parle à ton Dieu comme un père, comme un ami. Il est là pour toi. Il va te restaurer, il va te guérir. Mais fais-lui tout simplement confiance. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Encore pour ce témoignage. Merci beaucoup, Chantal. Merci à vous de nous avoir suivis. Si ce témoignage vous a vraiment béni, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous aussi, vous avez un témoignage, contactez-moi sur ma page Instagram. Partage ton histoire et je serai vraiment ravie de vous recevoir sur ce plateau. En tout cas, on se dit à une prochaine dans Partage ton histoire.